Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un peu de World of Talk. On part tout de suite en bataille aléatoire. Fermer le Gessor 1006 bar 7 pour avoir le tier 10 à roue britannique. Là, c'est l'objectif. Là, beau matchmaking en partant direct, vous avez vu ça? On a eu un beau matchmaking avec du 7. Il y a moyen de se gaver, là, comme on dit dans le jargon. Qu'est-ce qu'on a en face? Rue être très solide, j'ai l'impression, si ce n'est le 75 et la EFASA. M3Y un peu, ça passe. SMV là, 67 un peu aussi. Le reste, c'est du carton pour nous en tier 9. Même le King Tiger là, il fera pas le poids. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Ce sera peut-être en fin de bataille, puisque ça m'étonnerait qu'il soit au quad des médiums, là où on va aller. Charme mademoiselle, est-ce qu'il part à gauche? Vas-y mon petit, oui, tourne, tourne, c'est bien. Sinon, ce serait gêné. Maintenant, il est parti droit, loin devant. Est-ce qu'on va plus vite que le LT 432 avec notre char à roulettes? Le mademoiselle, ça m'étonnerait quand même. Il a un mode boost là. Ouais, même le LT 432, on va pas plus vite. On va pas non plus beaucoup plus lentement. Quoique, si, quand même. Il a plus un peu peiné à accélérer le LT, mais maintenant, il va plus vite. Qu'est-ce qu'il y a en face qui pourrait nous contrer? Un PTA, mais je pense pas qu'il vienne au corps à corps. La Lorraine, peut-être, avec ses 4 obus, il va se sentir fort. Le WZ, peut-être aussi, 132A, le Light et le LC sera certainement en bas dans les bushs, dans la pampa. Alors là, on n'est pas spot, c'est déjà un bon poids, j'ai envie de dire. Ah si, on est spot, voilà, ça y est, on s'en prend une du WZ, il nous fait les roulettes. Ah ben, il est là-bas, zut, on peut plus le shooter. Ça y est, il en prend, ah, on prend le PTA qui est allé en face, tiens. Ok, il est là-bas. Il est là-bas. Au quoi des TD. Comme un bon sniper qu'il est. Normalement, là, on est plus spot depuis longtemps, même. Est-ce qu'on peut finir le WZ? Oui, je pense. Voilà, ça c'est fait, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'on est spot? Non, parfait. Ça veut dire que la Lorraine n'est certainement pas là. On peut se mettre ici. On ne voit rien. On ne voit rien. Attention quand même à l'ELC, là, au cas où. Il est peut-être dans les bushs sur notre gauche. S'il a un bon équipage, il peut me voir. Le char mademoiselle va peut-être aller le débusquer. Non, à mon avis, il n'est pas là. Il m'aurait spoté. Là, je suis un médium avec un équipage à 50% de camo, pour vous dire la vérité. Mais, ah, il est là-bas. Ok. Là, normalement, je peux le shooter tranquillou, pilou. Il est là-bas. Ah non, pas comme ça, Benito. La Lorraine, la Lorraine, la Lorraine. Plus facile à shooter qu'un petit LC de rien du tout, mais on ne le voit plus. PTA, PTA va se venger du PTA comme ça, parfait. Créatinine, le LC, est-ce qu'on peut le tirer là? Oui, le PTA encore peut-être, non, le LC du coup, le petit LC, est-ce qu'il va? Il fait des belles gauches droites, tant pis, j'ai tiré là, on verra bien. On verra en fait game si on l'a touché. Là, ça a l'air d'aller, on a le map contrôle gentiment. Ah, qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, Chito qui va prendre Chichi, non, raté. Dans le bone. J'avais dit qu'on perçait comme dans du beurre les petits tier 7, mais le Chito est quand même un peu blindé. Là, il va prendre la foudre normalement. Il reculait comme ça. Là, il a dû la prendre, je pense. Ma boulette. On dirait, j'ai pas vu l'obus arriver en tout cas, nulle part. On devrait avoir du spot rapidement là avec le char mademoiselle. Au moins le Chito ou le LC. J'ai tiré juste dans l'angle du Chito, vous avez vu. C'était dommage. Je retirais un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Je pense que ça rentrait. Mais là, j'ai tiré en plein dans l'angle. Du coup, ça bounce. Alors, le mademoiselle, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il nous fait un peu de spot? Oui, non. Aujourd'hui ou demain? Il a l'air parti. Ok, il a l'air parti. Attention quand même à l'ELC qui risque de le contrer. C'est assez tendu là cette map avec un ELC. C'est un peu le roi du monde là, l'ELC. S'il a un nouveau spot, il faudra absolument le focus. J'espère que je lui ai collé tout à l'heure. On va voir ça quand il sera respot. S'il est respot un jour, rien n'est moins sûr. Ah, Lorraine, je la vois pas. Zut, je suis un peu trop loin. J'essaie de m'avancer à poil. Ouais, ici peut-être. Oui, la gelée. Ouais, ça touche, parfait. Petit coup critique au passage. On va quand même se mettre à l'abri parce que là on est un peu dans la pampa à nouveau. Alors on avait le toit de la Lorraine, non? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il y a le PTA, oui, il y a le PTA. Ah, le Chito à nouveau. Je n'avais pas touché apparemment le Chito, lui, il est hors de la tête. Ça y est, lui, il est mort, c'est fait. On a perdu une mademoiselle avec tout ça, dommage. Faudrait aller spotter le LC. Je peux plus monter là, pourquoi je peux plus monter? Pourquoi je peux plus monter? J'ai pas assez d'élan.
Lui, on n'en a pas, malheureusement. Il faudrait foncer comme un sauvage, mais j'ai plus trop de vie pour faire ça. Allez, c'est plutôt LT de faire ça avec son camouflage, là. T43, il est dans la zone. Ou il est là-haut, je ne sais pas. Ça, et les lourds vont resserrer dessus. On devrait les voir, normalement, à un moment ou l'autre. Alors ici, qu'est-ce qu'il reste? Il n'y a plus de TD, c'est déjà ça. T43 encore qui n'a pas été spot. Est-ce qu'on attend les lourds ou est-ce qu'on y va? J'ai envie de dire au LT, vas-y. Ça y est, il m'a entendu, vite fait. Il commence à y aller. T43, il y va. Je vais essayer de rester là, Lorraine. Voilà, ça c'est fait. Réflexe, comme on dit. Et le LT est mort, malheureusement. J'ai pas été spot, je crois, j'espère. J'ai pas trop fait gaffe. Alors là, il va spotter le LC, normalement, le T43, là où il va, comme ça. Milieu de la pompa. Je pense qu'il est par là, clairement, le LC. Parce qu'il a pas trop bougé là. Il s'est fait des spots. Puis après, il a plus trop bougé. Il a pris un bush intéressant. Ça y est, il prend la foudre lui. Il peut peut-être avancer. Il est peut-être pas là tout de suite. Allez, les lourds vont arriver. Ah, PTA ici. Zut, il va se planquer. Il va ressortir. Il va essayer de finir le T43 normalement. Je suis pas spot. Ok. Alors, normalement, il va ressortir. Non, il l'a fumé de là. Ok, je vais rester ici dans les bush alors. Où je fonce comme un sourd, le LC. Ah merde, je suis spot. Bon, bah je fonce comme un sourd alors. Tant pis, on verra ça. Alors je prends Chichi, très bien. T43, il est là-bas. Le LC, il va essayer de me shooter. J'esquive l'arty. On peut cramer la trousse. Ah voilà, le petit LC. Merde. Ah bah oui, ça c'est fait. Raté, raté. Je vais peut-être quand même faire du spot normalement sur le T43 si les lourds sont en place. Ça y est, ça tire, ça tire. Ça tire, ça tire. Normalement, je prends encore du spot là. Voilà. Et j'ai encore pris sur le LC, parfait. Bon ben, un peu la game réussie grâce au spot, j'ai quand même fait 3 kills. Peut-être un blind ou l'autre, mais je crois pas. Je crois pas, je crois pas. Voilà, ça va se faire l'effet boule de neige, comme on dit. Le LC, il peut peut-être emmerder un peu le monde, mais le SU va lui couper la route normalement. Parce que là, il est à peu près en tenaille. T'as le PTA normalement, monsieur le SU, voilà. Shoot, voilà, il est à part des pressions à mon avis. Ah, il a un tout petit canon. Petit canon de rien du tout. Comment on dit? Est-ce que le LC va aller chasser les artistes? Ça se peut. Ou alors il est coincé là dans le coin, ça se peut aussi. Je pense pas qu'il tue tout le monde là, ce serait le roi du monde sinon. S'il fait ça, il y en a qui disent qu'il est là. Ça se peut, ça se peut. Ouais, il doit être dans le coin parce que l'autre il est spot. Ouais, il est là-bas. On a encore pris. Voilà, ça c'est fait, parfait. Parfait, parfait. Ok, petit coup de café, oui, il en reste parfait. Si j'ai fait un blind, peut-être que ça sauve ma game, on va dire. Sinon, c'est pas un super résultat là pour le coup. À voir tout de suite. Non, j'ai pas fait de blind qui touche en tout cas. Pas de blind, pas plus de dégâts que ce qui est annoncé. La phaser très bien joué, le low correct aussi pour du 8. Et le challenger aussi, en tier 7, 1900 dégâts, c'est propre. C'est le BZ et moi qui ont été un peu à cran en dessous. On va repartir tout de suite, on a bientôt fini la branche. Vu qu'on a, je crois, que 89 000 XP à faire, puisqu'on a des plans là, bah, je pourrais tout débloquer avec des plans, mais j'ai envie d'un peu apprendre la branche à la normale là. De toute façon, j'ai assez de tier 10 là, clairement. Je les ai tous ceux des arbres technologiques, je les ai tous, à part le concept sec. Du coup, il me manque que celui-là. Mais il me vend pas trop du rêve quand je vois celui-ci là. Il est annoncé précis, hein. Il est annoncé à 0,29 de dispersion. Mais j'ai l'impression qu'il y a même à moyenne, déjà à longue distance, c'est mort. Mais pardon, même déjà à moyenne distance, c'est déjà galère. Il est en mousse, il a rien pour lui, il a même pas de tourelle. Il est en mousse de partout, il n'est pas forcément très très rapide non plus, c'est pas non plus un EBR sans sec quoi. Donc je ne trouve pas des gros avantages non plus. Long temps de rechargement, bon alpha, mais enfin non, normal l'alpha quoi pour son tiers en vrai, 360 je crois, je peux vous montrer ça. Avec 10 secondes de recharge, ça fait un peu mal. Il y en a qui mettent cet alpha là en 8 secondes quoi, quasiment des fois. Même là, à la limite, un standard B, enfin, en plus il a le burst, le standard B, vous allez me dire, c'est pas du tout la même chose, mais quand même, si on peut essayer de s'avancer quand même un peu, je vais vous montrer l'alpha. Attendez, pas prendre les rochers. Ah bon, on va avancer encore un peu, peut-être.
Avancer. Par contre, ah non, ça va, on n'est pas tout seul. Il y a TVP ici, c'est peut-être l'instant critique. Non, ça va jusque-là. Peut-être ici qu'on les attendrait gentiment. Je vais vous montrer l'alpha. Ah, je suis spot. 390, ah non, j'ai été mauvaise langue. Ouais, du coup, c'est correct, tout juste le temps de reload. Là, je vais attendre un peu d'être des spots au moins. TVP, TVP, Cobra. Attention, ça va te faire mal, ça, mon ami TVP. Petit Cobra, un petit Cobra. On va les attendre ici, tranquillement. J'espère pas prendre la Lorraine. Non, normalement, elle a pas d'angle ici. J'ai envie de lui dire en arrière, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il grimpe sur le rocher. Ok, le Cobra, il a pris. Ça, c'est très bon. On peut peut-être avancer, du coup. TVP est en reload. Il va pas s'attendre. Je peux prendre une patate, de toute façon. Voilà, clic droit. Vous l'avez vu. C'était propre, c'était beau. Sans bavure. Allez, le TVP vient m'aider. Voilà, parfait. Il a pris de derrière, je crois. Oui, le what the fuck, là. On va attendre d'être des spots simplement ici. On espère pas prendre d'artis. Normalement, non. Pense pas qu'elle ait un angle. Okay, on est plus spot logiquement. Mais il y en a peut-être là juste au coin. Ça fait un peu peur. Vas-y, j'avance. On verra bien. Ça a l'air d'aller jusque-là. Ah, ici, il y en a à 140. Okay, il retire sur le TVP. Ça, c'est tout bon pour moi. Anubis. Anubis, Anubis. Attention, là, on va pas m'exposer au TD qui serait en C7, C8 là. Normalement, ils ont pas d'angle. Ok, le projecto il a avancé, ça c'est très bien. Ah, ici, on a la Lorraine. Ah, ça va, TVP l'a fait. Ici, le 140 il m'attend à tous les coups, il nous attend. Donc, on va gentiment attendre les renforts. La partie a l'air de s'emballer là déjà, 5 à 2. Ah, il y a un bourrasque ici, tiens. Petit filou, on ne l'a pas en plus d'ici. Attention le ah, Skoda là-bas, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Un petit morceau qui dépasse, 140 il me shoot. Parce que là, rien d'anormal. Le bourrasque là derrière, non? Toujours pas spot. Si je me mets là, non, je ne l'ai pas malheureusement, peut-être ici, oui, ici. Reviens, refais ça, reviens en arrière, reviens, reviens, reviens. Allez, recule, t'as un projecto qui t'arrive dessus, recule, recule. Non, il veut pas revenir. Le bourrasque, toujours pas. Allez, je veux le kill, vas-y, reviens, reviens, reviens. Je pourrais l'avoir, là, en avançant là où j'étais tout à l'heure, mais je m'en prendrai encore une du 140. J'ai pas trop envie de ça. Là, tout de suite, le Rachem va lui faire le cucu, de toute façon. Non, il veut pas. Bon, allez, je vais aller me la prendre, c'est pas grave. Ah bon, c'est fait. 140, oui. Tiens, tétrac. Patatrac, patatrac. Il restera le bourrasque derrière. Ah, 140, il avance, il m'arrive dessus. Très bien, très bien. Retrac, feu, pas mal ça. Joli tir, j'ai envie de dire. On va chercher les artis. Ah bah, les artis qui viennent me chercher, en vrai. Attention. Ah oui, il y a encore l'UDES là. C'était sans compter sur l'UDES. On a bien mis le feu au 140. Ça a sauvé la partie. Ça a sauvé la partie. Ça a sauvé les meubles. Bourrasque, je sais pas. Il vit sa vie, le Tiger 2, pendant ce temps-là. Il se fait un petit café, à mon avis. Copain, tu fais quoi là? Il regarde quoi? Il n'y a rien là. T'es trotté là-haut. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, il a dû crash au début de game, à mon avis. C'est arrêté net pendant qu'il allait au quad des lourds. Bon, on n'a pas eu besoin de lui. T30 qui reste le char futur devrait en faire une seule petite bouchée. Regardez ça. De tout, est-ce qu'on est là? Ah, c'est là-bas le char futur. Voilà. Vas-y, mon ami. T'as pas chargé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, petit? T'as un char futur 4 à 1300 points de vie et tu n'y vas pas? Comment ça se fait, ça? Allez, fonce, Alphonse. Tu peux même t'en prendre deux, limite, quoi. Il m'a entendu, il y va, il y va, il est vaillant. Ah bah en plus le T30 il est en slip de balle. Peut-être que le char futur s'est déjà vidé une première fois dessus. Ah, il a tiré, vas-y, fonce maintenant. Il est pour toi normalement. À moins que l'arty. Non, bah oui, c'est le char futur. Très bon char, le char futur, moi je l'adore, j'ai trois marques dessus, j'en suis très content. D'ailleurs je vais faire une partie avec là. Un peu échauffé. Avoir mis le feu au 140, ça m'a réchauffé. Petit jeu de mots. Alors,
Flaubert. Non, j'ai pas eu Flaubert parce que je l'ai pas tué avec le feu. Ok. Alors je vais vous montrer l'XP qui manque. 83 000. Vous voyez, j'ai plein de plans. Oui. Plein de plans. Je pourrais débloquer le reste, clairement. J'ai plus cassé 4 plans. Anglais, 12 universel. J'en ai 929. Ça va, on est large, j'ai envie de dire. Donc bon, mais j'ai envie de jouer encore un peu. De toute façon, j'ai pas les crédits là pour acheter le 10. Et tant qu'on y est, hop, check. 3 marques, Monsieur Master, là, comme on m'appelait à une époque. C'est parti, cher futur 4. Avec 7 compétences, je crois. Là, par contre, c'est pas une super map là pour lui. Il a envie de se débrouiller, mais c'est pas la map que je préfère en cher futur. J'aime bien les maps avec un peu de distance et de bush. Là, c'est un peu tout de suite corps à corps. Qu'est-ce qui pourrait être à la colline rapidement? Lion, Udes, cher futur évidemment, Gessor, peut-être, non, pas Progetto 66, je crois que c'était un tier 9 médium, mais non, c'est le lourd ça. Alors on va quand même partir colline, je pense que c'est le meilleur moyen de farmer un peu de dégâts. Et c'est parti, on va voir comment ce... Dispatch l'équipe, on a un IS-7, un vieil IS-7. Les premiers chars du jeu, ils étaient là tout au début, les IS-7. Et ils ont pratiquement pas bougé depuis. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dessus. Et on en voit encore assez souvent, l'air de rien. Malgré tout, malgré qu'ils soient si vieux. Attention, ici, il y a ce temps critique. Je vais peut-être prendre un peu plus large, j'ai pas mal de camo. Aïe, aïe, aïe. Non, ça passe, parfait. On va essayer de prendre la colline là. Le Gessor est là, on n'a pas chargé, dommage. Il en aurait pris une sinon. Le Lion, oui. Sur un Ludes, non, ça va. On va se faire le Gessor là, avec ce qui nous reste dans le barillet. Et maintenant le Lion. Voilà comment on joue à char futur 4, les copains. Voilà, il va m'en coller une, mais il va mourir dans la foulée, ça y est. Attention, là quand même un autre cucu. Attention au cucu, maintenant on est en reload, il y a deux artis, attention à ça. Ok, ils ont tous reculé, du coup, qu'est-ce que c'était l'autre? C'était quoi? Le deuxième char, je ne vois plus. On va reculer, non, on va pas reculer tout de suite. On va tenter de recharger comme il faut. On va même se montrer là dans le bush, voir si on spot quelque chose ou pas. Peut-être ici, non, on ne spot rien. Ok, alors j'essaie à tuer le tétra ici, ah what the fuck. Ah, il s'est planqué le petit. Peut-être qu'on pourrait l'avoir. Ah, il y a du monde là quand même. Oui, c'était un UDS. Il y a le Progetto 66. On va essayer de mettre un peu la pression ici. Il a l'air de monter un peu trop le Progetto. Alors là, la caméra s'est mise n'importe comment. Spot, ok. KPZ, qu'est-ce qui reste avec moi? T55A qui s'enfuit, qui nous abandonne. Que j'ai le galet là ou pas, non, il recule évidemment le zozo. Merde, c'est un petit coup de stress. Ok, lui m'en colle une. Non, non, ne viens pas là, toi. Bon, ça perce pas. Et là, on attend encore, on attend encore. Voilà, on a un peu fait un mauvais échange là, clairement. Mais bon, on est à 2500 dégâts, c'est correct. On va essayer de se faire un peu oublier là pour l'instant. Revenir à d'autres affaires, peut-être ici, peut-être avec le T30 qu'on pourrait trade un peu. Bon, pas trade parce que si je m'en prends une, je n'en parle plus. Ah, ici, nombre de sexat, il est loin de l'autre côté. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'UDES qui monte. Le K91 est AFK, malheureusement, lui il va essayer de le farmer du coup. À 6 heures. Ah, je suis spot, zut. Peut-être le T30. Oui, mange, oui, bon appétit. Le T30, il est attention là, la colline. Ça pue un peu derrière moi. Je vais descendre par ici parce que là, ça pue du boudin, comme on dit. Est-ce qu'on a le MY là? Non, on va descendre ici. Aller aider le petit cobra. Bah, il n'a pas besoin d'aide. J'espère qu'on ne se scratch pas. Non, ça va. On va peut-être aller dans le cucu là tout de suite. Surprendre le... Attention, il y a encore Conway qui a pas été spot. Ah, il est là-bas, ok. Alors ici, est-ce qu'on va faire face au P machin?
KPZ07. C'est pas gagné, c'est pas perdu non plus, je pense, mais c'est pas tout à fait gagné. Alors, est-ce qu'ils vont redescendre de la colle? Ah, il y a quelqu'un Pour voir ici. l'épargne mélangée au brocoli. Jetto. Ah, oui. Ouh là là, c'est chaud, c'est chaud. Oh là là, c'est très chaud, c'est très chaud. Il va me descendre dessus, lui. Faut que je me barre de là. Vite, vite, vite. Ah merde, ça s'est raté. Il va me tuer. Bah oui, c'est fait. 3300 dégâts, c'est correct. Un peu d'assist. Dommage pour le dernier tir. C'était un peu à l'arrache. Mais bon, ça devrait être gagné si le léopard se sort un peu les doigts, comme on dit. Futur, il peut encore faire mal, il lui reste pas mal de vie, il prend l'arty. KPZ là aussi, il peut être embêtant. Les 7, il fait son boulot de tank lourd là. Son conquérant, il va peut-être mourir, ça continue. Les 7 fonce dans le tas, lui. Il n'a pas peur, il a des points de vie, il a du bladage à cette distance. Voilà qui est fait. Oh, beau, bel essai là, bel essai de tir. Ludes est revenu au contact, il vient défendre sa base avec le Progetto. Oh, ça c'est dommage, monsieur l'IS-7, c'est très dommage. Carrément passé au-dessus, je pense. Il perd pas trop de vie à l'IS-7, il est vachement proche là. Et... Ça y est, l'arty fait le ménage. Ah non, c'est le VZ. Vas-y, assure ton tir. Mais assure ton tir, pourquoi il tire tout le temps au-dessus? Qu'est-ce qu'il nous fait, le petit? Alors, le KPZ, il embête personne. Chenille détruite, ça c'est gênant. Face à un médium qui arrive dans une descente, j'ai bien joué ça. On va réparer comme ça. Pas terrible quand même, à mon avis, le joueur d'IS-7, là, les deux tirent bien trop. Et le léopard, voilà. Et finir le KPZ de Why Not. Il y aura peut-être moyen de farmer un peu plus. Il y avait peut-être moyen, si j'avais pas pris si cher au début. Enfin, au milieu, on va dire. Milieu de ma vie. J'aurais dû être commentateur chez World of Tanks, chez Wargaming. La moitié de la game a commenté presque top dégâts, presque. Ah, le KPZ il a bien tapé lui par contre. 52 000 crédits, ça se prend. On va repartir tout de suite avec ça, même s'il faudra faire des crédits avant d'acheter le tier 10 déjà là. Petit coup de thé aussi. Oh là, de concept 5 justement là dans la team. Avec un EBR en face, très bien, Foch, deux artis tier 10, ça c'est beau pour eux, pour elle. Ça va peut-être croustiller là, s'ils tapent dans quoi? Dans un Standard B, dans un Skoda, un Char Future 4, tout ça croustille le concept 5 aussi. Nos artis qui ont plus de chance que les leurs, T55 c'est un peu plus, T54 c'est un peu plus blindé, le VK on n'en parle même pas, le Sentu c'est un peu plus blindé aussi, les artis peuvent faire moins mal que dans nos chars, à nous j'ai l'impression. On a What the Fuck là où ils ont un T30 et un K91. Heureusement, on a E4, mais ils ont un Foch. Ouais, ils ont des chars plus costauds, j'ai l'impression. Même le M1000 aussi plus costaud. Quoique, on a 257, un M4 51. Ouais, et un IS4, mais ils ont un ESort. L'impression, non, on a l'avantage au poids de vie. Tiens, je pensais que non. Comment ça se fait ça? Pourtant, ils ont un VK, un ESort. Intéressant, le E4 peut-être qui marque des poids de vie face au Foch. Concept, je sais pas trop combien ça a de poids de vie. Bref, c'est pas ça l'important. L'important c'était ça. Hop, ça c'est fait. J'ai envie de dire, attention à l'arty quand même ici tout de suite. Voilà une trace sorte. Ça va, on a pris que 4. Concept 5, il a pris un peu plus. Attention au char futur. Est-ce qu'il est où est-ce qu'il est le Zozio? Il est là au bas, il est derrière. Est-ce qu'il y a autre chose qui ramènerait ces mich-mich avec le char futur? Les autres, ils sont là dans le trou, là, la plupart. On va se faire un peu oublier, là, avant que l'arty nous re-shoot. Ça me va, si on attend un peu, normalement, on va pas perdre tous nos chars comme ça. Bon, on a Skoda et un Standard B qui campent loin derrière. Heureusement, on a E50, mais il est déjà mid-life. Je tentais de rush le char futur 4. Qu'est-ce qu'il pourrait encore?
Tout le monde a été spot là pratiquement. Ouais, vous savez quoi, je vais rush le char futur, je suis full life. Il a rien pour le couvrir, j'ai l'impression. Peut-être le fauche, le couvre, je sais pas. Je peux peut-être bien trade avec le char futur là tout de suite si je me prends pas l'artie en chaîne. Ah, j'ai été spoté, c'est qui, c'est quoi? Alors là, il est juste dans le trou. Voilà, attention au fauche. Ah oui, évidemment, c'était le fauche. Il m'enchaîne, je suis encore dans sa ligne de tir là. C'est pas bon ça, Benito, c'est pas bon. On va manger le tourelle. Voilà, comme ça. Lui, il m'a pas shooté, tiens. Bizarre. Allez, le chasse futur là, soit un peu la cible aussi. Aide-moi, aide-moi. Ah, il me fait juste le tourello, parfait. Est-ce que j'ai le canon là-dessus? Pas tellement, il aurait pu me shooter la tourelle normalement. Ah, ça y est, il a changé de cible, c'est peut-être le moment ou jamais. Le shooter, attention à l'arty. Ah oui, ça fait mal. Et le fauche m'a re-shooté aussi. Plus de commandant, on soigne tout ça. C'est un peu chaud là, 1900 dégâts, c'est pas dégueu. Ok, on prend du spot un petit peu sur le fauche. On va essayer d'éviter l'arty là tout de suite. Le concept prend une bonne position, peut-être, encore que. Elle est plus si optique depuis qu'ils ont fait la map, je sais plus. Enfin, j'aime pas trop, ça dépend de la prod ou pas. Il y a encore le char futur là, peut-être dans la zone qui peut peut-être me one shot s'il me fait un gros alpha. Tant pis, on va aller voir ce qui s'y passe. Il est juste là. Faut pas le. Ah merde, moi je le one shot pas. Il va me tuer. Non, il est en plein reload. Ah non, il est à la HE cet abruti. Ah, il est mort, parfait. GG le 50 là pour le coup. Alors les arties, peut-être qu'elles sont pas très couverte là tout de suite. Ah, sortu, attention. Et qui a 91, j'ai parlé trop vite. On va plutôt aller voir là dans le trou ce qui s'y passe. On va peut-être plus shooter le sortu, je sais pas. Alors là, le BR, voilà, ça c'est fait. Il n'était pas tout à fait bien lancé, mais bon. Alors lui, on va le gangbang clairement. Ça sort balle, 7-0. Ok. Ça s'est fait, 2300 dégâts, c'est correct. Partie plus ou moins réussie là jusqu'ici. Il y a 91 ici. Il risque de me foncer dessus, il m'a spot en plus. Ah, il me regarde pas. Merde, 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 merde. Non, 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 non. Non, mon ami, non, non, non. Ah merde, ouais, bon. Fais ce que j'ai pu avec du dégât. Non, même pas. Fait de dégâts, j'aurais dû essayer de l'esquiver. J'ai voulu passer à sa droite, là, vous avez vu, mais il n'y avait vraiment pas assez de place. Il a vraiment bien viré. Je ne sais pas qui tournerait aussi bien. 2700 dégâts, c'est correct, c'est correct. Un kill, je suis le seul mort, par contre, là, c'est un peu la honte. J'étais un peu trop YOLO, un peu trop agressif. Bon, c'est gagné, ça, c'est sûr. K80, on se fait maltraiter, mais il va peut-être pas le percer quand même, le concept. Il va le tuer, le K91, le concept. Non, là, il se fait avoir, là. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont y arriver, seulement, là? Ils l'ont coincé, pas mal. Ouais, le concept, ça recharge en combien de temps? Non, c'est le char futur qu'il a eu, GG. Voilà, c'est fini, je suis le seul mort. Très bien, mais j'ai fait mon kill, quand même. Le petit EBR, quand même, c'était pas le plus simple. Je vérifierai après si vous avez le son d'ailleurs. J'espère que oui. Normalement oui. Peut-être mon truc d'affichage qui est bugué. Là-dessus, il me reste 4 minutes de réserve. On va en relancer une en espérant faire une bonne game. Ce sera pas si mal là déjà. Encore petit top tier cette fois. Char futur 4, char futur 4. Cobra, char mademoiselle. Salade KPZ, CS, il y a des choses rapides chez nous, chez eux et chez nous. Il y a des choses rapides aussi, on peut peut-être se tenter l'ABI, je vais dire aux autres que je vais là. Enfin l'ABI ou je ne sais pas quoi, là. C'est comment le refuge, quoi. Ouais, refuge, le château, là, l'espèce de château. C'est parti mon kiki, on va essayer d'aller prendre ça tout de suite. Le bourrasque, est-ce qu'il vient au moins lui et le char futur? Ce serait déjà pas mal, le char futur. Non, ils viennent pas, malheureusement, ils viennent pas des masses, j'ai l'impression. Ils ont pas tenir décidé à fond d'aller par ici. Le bourrasque, c'est sûr que non. J'espère pas me prendre tout leur médium et light là, clairement.
Ça ferait mal aux fesses, on va voir ça tout de suite. Réponse dans un instant. De toute façon, KPZ, jusque là, ça va. Oh, ça, c'est pas bon comme tir, Benito. Ah là là, il va essayer de me ram. Ah oui, il a bonne cadence de tir, lui. Je peux peut-être le bloquer, j'ai du soutien. Il se fait un peu maltraiter, mais il me fait mal avec sa cadence. Char futur, il va le finir. Non, ça oui, j'allais dire c'est moi, mais non, c'est le char futur. Oh là là, j'ai un peu mal mis là. Le CA, s'il peut me shooter. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. La trousse peut-être, ça m'aiderait. On a pris une arty, on n'en prend qu'une, ça va. Peut-être je peux shooter maintenant moi le CS là du coup. Peut-être qu'il ne me voit pas normalement. Ça c'est quoi là-bas? Char futur là-haut. Est-ce qu'il monte? Oui, il a l'air de monter ici. Petit blind. WZ, il fait un bon taf là. Avec des arbres qui se couchent. Petit blind dans les bushs. Donc j'ai plus tellement de vie. Ah, WZ s'est fait enfler. Par contre, ça c'est pas très bon. Est-ce qu'il reste leur light? Non, il ne reste pas leur light. Là, on n'aura plus de spot, clairement. Ça sert plus à rien d'être là pour l'instant. Je peux peut-être spot une arty ou l'autre. Attention, TD quand même. BZ, il est en bas. Ah, une arty là-bas. Intéressant. Y'a rien là, y'a rien du tout. Non, y'a rien du tout. Ok. Peut-être le bisonte là, qui vient d'être spot. Bisonte, bisonte. Est-ce qu'il est exactement? Non. AE phaser, faudrait qu'il recule un peu. Y'a plus rien ici, non? Attention au char futur s'il vient nous rush là. Faut le barrier peut-être. Bisonte, il est où? Il est de l'autre côté de la maison, je crois. Pas quelqu'un qui voudrait reculer. Si, voilà le char, la phase, il est de l'autre côté. Ah, le bison. Ah zut, dommage. Attention à l'artie quand même ici tout de suite. Okay, il a shooté là. On va se planquer ici pour l'artie, ça me semble un bon plan. Quoique, c'est peut-être pas suffisant, je sais pas. On va s'en aller maintenant. On est des spots de toute façon. Dommage pour le bisonte, il y avait mieux à faire comme tir. Je pensais que ça passerait. Les artis, il pleut dans les deux sens là. Il y a des bourrasques là. Est-ce que j'ai le Saladin là? Peut-être que oui. Non, il est derrière la butte. Ici peut-être le Jack Porter. Oh, beau tir ça. Attention, le char futur arrive par contre là. Ça c'est pas très bon le Saladin, j'ai pas rechargé. Saladin, Saladin, je sais pas. Ouais, dommage, dommage. C'était bien tenté. J'aurais peut-être dû zoomer un peu plus. Qu'est-ce qu'il dit, batteur retraite? Zoomer ici. Ah, on n'a plus la portée de vue. Merde, on ne le voit plus. Il est trop loin. Il est quelque part par là. Non, non, pas du tout. Quoique, si, il est quelque part par là. Plus par là, d'après la minimap. Il serait là. Il serait là, je dirais. Non, il n'est pas là. Cher futur, ok. Alors, le Jack Porter, il est revenu. Ok, le Saladin, il est mort. Le Jack Porter, peut-être. Peut-être l'UDS qui le spot, là. Peut-être encore tenter des blinds dans les bushs. Ça me semble un bon plan, vu la foule qu'il y avait là-bas. Ah, CS maintenant là-bas au bout. Est-ce qu'il va faire la même erreur que le Saladin? Cher futur ici tout de suite. Non, il est en bas, ok, pas de souci. Est-ce que le Jack Porter? Non. Attention quand même à moi. CS aussi, si je suis spot. Oui, sort de dégâts. Est-ce que j'ai fait des blinds? C'est un peu ça la question aussi, là, tout de suite. Moi, je dis que le Jack Porter, il revient tout le temps, là. Peut-être touché, mais j'ai peut-être tapé les tracks. Hein. Il était peut-être plus à gauche. Ah oui, il était plus à droite, plutôt. Ah, j'ai un petit bout. Non, je l'ai plus, là, malheureusement. Il va revenir là, je pense. Il revient tout le temps au même endroit, environ. Ah, quelqu'un d'autre, ici.
Oh non, ça c'est moche, c'est moche, c'est moche ce tir là. C'est tellement laid. Alors lui, est-ce qu'on l'aura avant qu'il soit planqué? Non, malheureusement, il est planqué. Alors ici, on va se préparer. Ah, le CS peut-être. CS là-bas. Voilà, ça c'est fait, j'ai envie de dire. J'ai oué Panthère, elle va y passer normalement. J'ai un peu fait ramasse-miettes là, clairement, jusque-là. Est-ce que j'arrive à spot les TD, etc. C'est pas sûr. En futur, il va avancer normalement. Non, il avance pas. Il va pas faire du spot pour ses copains. Ah, Cobra là. Peut-être. Non, il y a des maisons, il y a tout ça. Avec Panther, Shark Future, non. Vas-y, on va avancer là, ça saoule un peu. Ah, STRV était intéressant. De la vengeance. Face à. Ah, de trop bas maintenant. Trop à droite. Trop bas. Rien ne va avec ce char. J'ai l'impression. Jacques Panther et STRV sont en slip. On va y aller. On va aller finir les deux là s'il faut. Ah, spotter, c'est Jacques Panther ça. Attention, il va m'attendre du coup. Ah bah oui. Ah, il me restait si peu de vie, je croyais un peu plus quand même. Il a deux marques lui, mais il a pris la foudre dans la foulée. Le tir fatal, il fallait pas tirer mon ami. Enfin si, il a bien fait de me tuer au point où ça en était pour sa team. 12-6, on a un lot. On a un lot quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu malgré tout, malgré que c'était pas que des bonnes parties comme celle-ci par exemple. J'ai peut-être fait un blind ou l'autre, on verra ça à la fin, je vais quand même attendre la fin avec vous. J'essaie de mettre une vue un peu plus intéressante, voilà, c'est genre ça, le char futur face au Cobra qui essaye de s'enfuir. Alors ici, ah, il a pas rechargé le char futur apparemment, sinon il aurait peut-être pu essayer de coller une là tout de suite. Il a besoin de soutien, le cher futur. Ah, il a rechargé peut-être. Ah oui, il a rechargé, mais le cobra va le tuer. Oui, dans le cucu, ça croustille, hein, quelle que soit la munition. Ben voilà, ça c'est fait. Scorpion qui en finit. Il lève son petit canon, le scorpion. Pas terrible, j'espère que j'ai fait des blinds là, qui ont percé, qui ont fait des dégâts. Un peu tremblé sur le STRV. Il avait un gros karma, lui, une grosse aura. Il m'a fait trembler. Alors, un petit peu de blind. Un tir ou deux. C'était quoi? C'était le Jack Panther? Non, ça, j'ai vu le tir arriver. Oui, ça devait être le Jack Panther. Ou le CS-52. Non, ça, je l'ai vu aussi. Oui, je l'ai vu. Char Futur. Peut-être Char Futur. Je ne sais plus. Bref. Je ne sais plus lequel a blind, mais il n'y avait qu'un tir. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus tard et bonne soirée. Bon appétit. Tout ça, tout ça. Ciao, ciao.